Député de Kitchener. Monsieur le Président, je salue la décision de ne pas prolonger la durée d'exploitation de la centrale au charbon de Belle-Dune au-delà de 2030. Pendant que les conservateurs traînent la patte, les libéraux continuent de proposer des solutions issues de vieux modèles de développement. Cela étant dit, dans un sondage de Narrative Research, 70 % des Néo-Brunswickois préfèrent remplacer l'électricité de Belle-Dune par de l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique produite dans la province. La région Chaleur est ma région natale. La centrale à Belle-Dune doit fermer. La planète brûle. Mais il est temps d'innover et de diversifier. Diversifier les sources d'énergie dans la région et diversifier l'économie de la région. Ces emplois doivent demeurer dans la région. Les travailleurs qualifiés de la centrale de Belle-Dune doivent obtenir le soutien dont ils ont besoin pour transitionner vers des emplois plus verts. La région doit planifier son propre avenir en ayant les ressources pour créer un plan de développement sous la signe de la transition, Monsieur le Président.